L'Opéra Comique présente Clara et les Sortilèges. Une histoire écrite par Stéphane Michaka, produite par Narrative, en partenariat avec Bayard. Cinquième et dernier épisode, En place les danseurs. Quelle idée il a eue, Léo, de vouloir regarder par le trou du projecteur. Le voilà suspendu dans le vide. Et maintenant, si je ne fais rien, il va s'aplatir comme une crêpe. Clara, je t'en supplie. Je l'attrape par les poignets. Il a l'air d'un poids-plume, mais j'ai toutes les peines du monde à le hisser. Me lâche pas, Clara. Me lâche surtout pas. Et tu peux pas t'appuyer au bord pour m'aider? Ah bah si. Voilà, comme ça, on y arrive. Une minute après, les jambes de Léo ne se balancent plus à 30 mètres du sol. Il est remonté dans la galerie. Et on découvre, ébahi, les jeux de lumière sur la scène. Tu vois ce que je vois? La scène brille de mille feux. Comme une salle de bal qui attend ses danseurs. Feu d'amour. On les a trouvés, nos mille chandelles. Les sacs de linge se tordent dans tous les sens. Les robes s'impatientent. Vite, descendons avec elles. Ouais. Ces robes d'avant l'électricité avaient triomphé dans des salles éclairées au gaz ou à l'huile. Pas étonnant qu'en se réveillant de nos jours, les robes nous réclament mille chandelles. Alors, plutôt que de leur trouver une cachette sous les toits, on a décidé, Léo et moi, de leur offrir un ultime tour de piste. Moi, je vais à cour, toi à jardin, et on les libère en même temps. Ok, mais c'est où jardin déjà? À droite quand tu es sur scène, à gauche quand tu regardes la scène. Ah oui. Les robes ne se sont pas fait prier. Une, deux, trois. Quand on a ouvert les sacs, elles ont jailli comme des danseuses qui se souviennent de leur première galipette. La scène était recouverte de sable blanc. On la préparait pour un opéra féerie de Jacques Offenbach, Le voyage dans la lune. Ces robes sans corps, qui tournait lentement sur elle-même dans un paysage lunaire, étonnée et ravie d'être là. Je crois que c'est la chose la plus belle que j'ai vue de ma vie. De tous les recoins de la salle Favart, des battants se sont ouverts. Les éclairagistes, les machinistes, les musiciens, les chanteurs, tous ceux qui se trouvaient dans les parages se sont attroupés, émerveillés par ce qu'ils prenaient pour des mannequins ou des automates. J'avais envie de leur chuchoter qu'un souffle magique habitait ces costumes depuis toujours. Et qu'avec un peu de chance... Vous pouvez pas vous asseoir, non? Les robes nous chanteraient quelque chose. C'est vrai ça, Léo? Maintenant qu'elles sont réunies, qu'est-ce qu'elles vont bien pouvoir chanter? Regarde! Des hommes montent sur la scène et les prennent par la taille. Ce sont les membres du chœur qui répètent en ce moment. Les robes leur chuchotent à l'oreille. J'ai entendu le mot chœur. J'ai entendu armide de glouc. J'ai entendu ré ré si bémol deux fois. Les musiciens ont pris leurs violons, leurs archets. Un silence s'est fait sur la scène. Puis les robes et les chanteurs ont mêlé leur souffle. C'est pour toi.
toi qu'elle chante. Pour moi ? C'est seulement alors que j'ai fait attention aux paroles. Elle me disait qu'il faut profiter des jeux et des beaux jours. Elle me disait que toute seule on s'ennuie et que j'avais de la chance d'avoir rencontré Léo. C'est ta mère tout là-haut dans la galerie ? J'ai levé les yeux vers la galerie supérieure qu'on appelle le poulailler. Maman était là, en train de nous jeter des confettis avec les habilleuses, les couturières, les chapelières, toute l'équipe de l'atelier costume. J'ai compris qu'elle ne m'en voulait pas d'avoir fait sortir les robes de la réserve et de leur avoir donné une nouvelle vie. Oui, c'est maman, ai-je répondu. Sauf que j'ai utilisé l'autre mot pour désigner le poulailler. Un mot qui exprimait bien mieux ce que je ressentais. C'est maman dans le paradis. Comment ? C'est déjà la fin du feuilleton ? Eh oui, on dit podcast maintenant aujourd'hui. La fin du podcast ? Moi qui voulais que ça ne s'arrête jamais. Carmen, je veux d'autres jeux, je veux d'autres amours. Alors, suis-moi. Tu peux descendre de ton piédestal ? Toi aussi ? Pose ton pied là. Une marche, puis l'autre, jusqu'en haut de l'escalier. J'emmène tout le monde. Vous êtes là ? Suivez-nous. À l'opéra comique. C'était Clara et les sortilèges. Une histoire écrite par Stéphane Michaka, réalisée par Laure Goroff. Avec Clara Noël, Henri-David Cohen, Marjorie Delarquier, Trinidad Thillot. Prise de son, montage, mixage, Simon Cacheux. Bruitage, Éléonore Malot. Musique originale, François Clos. Production, Cécile Cross, narrative. Coordination Opéra Comique, Juliette Chevalier, Laure Salle-Franck, Juliette Tissot-Vidal, Joseph Ravasi. Merci à toute l'équipe de l'Opéra Comique, Caroline Giovos, Chrysoline Dupont, Alexandre Baudin, Céline Curuchet, Agnès Terrier, Emmanuel Rista et Louis Langré. Ainsi qu'à Alain Lanceron et Warner Classics Erato, France Musique, Oxymore Productions, François Roussillon et associés, Sophie Furlot et Damien Giard, Carole Chesson, Juliette Proutot. Merci enfin aux enfants de la maternelle Maurice Arnoux à Montrouge et à Mélanie Guillaumin et Isabelle Banse Di Domenico.